chers amis de passion de voiture, vous le savez ce que j'aime bien dans le BMW M. Quand tu es assis dans une BMW M3, la première chose que tu vois de suite, c'est comme dans un ancien lotre audition. Toute tableau de bord, il regarde vers toi. Il ne regarde pas sur le passager. Il ne regarde pas sur personne. Donc, ça veut dire qu'il est fait vraiment pour la conduite agressive, pour le sportif. Les amis, j'ai vu beaucoup de fois les M3, les M4 en passage à côté de moi, en roulant les voitures. J'ai jamais roulé avec cette voiture-là. Cette voiture-là, j'ai toujours aimé de son esthétique de extérieur, sa beauté. Peu importe quel côté que ça soit, avant, arrière, surcoté, c'est son charme. Maintenant, avec une M3 et une série 3 normale, franchement, il ne faut pas être un vrai patient de M pour savoir est-ce que c'est une M3 ou une M-série normale? Parce qu'une M3, elle est beaucoup plus large par rapport à une M3 d'origine. Le bruit de cette voiture-là, quand tu attends d'origine le bruit, j'étais un peu gêné pour la BMW parce que je suis très grand fan de BMW. Le bruit, franchement, les amis, il l'a pas, il n'existe pas. C'est vraiment comme une casserole qui faisait le bruit. Ici, mon cher ami propriétaire de cette voiture-là, Kevin, il a mis le downpipe et ça chante mieux. Le bruit s'est changé. Par rapport à un C63, le bruit, il est vraiment aigu. Par exemple, je vais dire, on t'a arrêté dans un feu rouge, à côté de toi, il y a un C63 qui se met. La C63, il va accélérer. Bien sûr, les amis, plus la personne, il va écouter le bruit de la C63 que la M3. Pourquoi? Parce qu'il est aigu, il a plus de basse dans la C63. C'est juste, à part ça, j'ai rien à rapprocher à cette voiture. Putain de merde les amis, c'est un truc de fou cette voiture là. Directement je me souviens même les anciens souvenirs. J'avais une M5 F10. C'est une voiture que je l'aimais trop. Il n'y a aucune voiture qui m'a donné autant de plaisir qui m'a donné cette M5 là. Et c'est la même chose. C'est... C'est un autre monde. Mercedes, BMW, c'est deux voitures différentes. Peu importe, dans la conduite, dans le confort, tout. C'est deux mondes différents. Ne me demandez pas combien consomme une M3. Ne me demandez pas combien consomme une M4 ou M5. Un gars qui achète cette voiture-là, il ne regarde pas la consommation. Un gars qui achète cette voiture-là, moi, c'est mon avis, c'est comme ça. Oui, quand tu achètes une voiture, une 600 TDI ou un 2 litres TDI, là, je regarde combien elle consomme. Cette voiture-là, tu achètes pour ton plaisir. Cette voiture-là, tu achètes pour ton conduite. T'achètes pas combien de consommation, t'en as rien à foutre. Si tu regardes la consommation, je te conseille pas d'acheter ni cette voiture-là, ni la C63, ni RS3. Ça, cette voiture, ça c'est vraiment pour te amuser. Ici, on est les amis en plein centre de Mons. Franchement, pour vous dire, est-ce que cette voiture-là, conduite tous les jours, elle est agréable? Franchement, oui. Tu l'enlèves mode sport, tu l'enlèves M, tu fermes les clapets d'échappement et tu peux conduire tous les jours. Ça fatigue pas. Le siège, il est confortable. Le volant, il est bien. Oui, pour moi, c'est un peu trop petit, mais franchement, il est exploitable tous les jours. Aucun souci pour ça. Les différences entre AMG et M pour mettre en mode sport. Regardez comment c'est bien fait et très facile. En AMG, donc exemple c'est 63 000 pour mettre en M, tu dois, enfin en mettre en AMG, tu dois chercher dynamique avant que tu trouves. Avant que tu mettes en dynamique, l'autre a déjà le temps de partir. Par contre,
M, tu sais c'est quoi? Tu as M1, M2. Tu as appris une fois M1. Il te dit, monsieur, est-ce que vous êtes prêt pour voiture transformer la guerre? Et toi, tu dis, hop, confirmé. Et on y va. Les amis, là je suis avec mon ami Kevin, donc c'est le propriétaire de cette magnifique M3, Kev. Ça va, Chin? Ça va et toi? Ça va. Kevin, je préfère poser les questions à toi parce que c'est toi qui es propriétaire de ce véhicule-là, c'est toi qui as fait des modifications. Explique un peu, qu'est-ce que tu as fait, modification de extérieur de cette magnifique M3? Bah, écoute, pour faire simple, sur cette voiture-là, d'origine, elle est déjà très très belle. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Rajouter juste le capot qui est le capot CS. CS, ouais, il est magnifique. J'ai rajouté les bas de caisse en carbone. Ouais. Parce que chez BMW ne fournissent pas de bas de caisse en carbone. Ça, c'est des pièces que tu as achetées à part. Ouais, ouais, ça, c'est vraiment des pièces que j'ai rajoutées à part. Et on a rajouté l'aileron arrière avec aussi en carbone. Carbone. En fait, extérieurement, mais les jantes, tout ça, tu le touches pas? Non, je les ai pas touchées. J'aurais voulu acheter les modèles compétition. Le modèle comme 666. Salim. Ouais, le même modèle que Salim. Mais d'occasion, c'est vraiment très très cher. Très cher. Il faut compter 4000 euros d'occasion. Oh, c'est 4, cher, c'est ouais. Beaucoup. Mais moi, franchement, si tu me demandes à moi le style de cette voiture-là, les jantes, là, c'est vrai qu'on a beaucoup vu sur des voitures. Tu es d'accord avec moi? Oui, parce que sur les M5, tu te rappelles? Ouais. On voyait déjà c'est ce la même chose. Mais franchement, sur cette voiture-là, ça donne super bien. Le M3 compétition comme Salim, les jantes là, ça ne m'attire pas, je ne sais pas pourquoi. Ces jantes là, oui, parce que c'est compétition, peut-être c'est mieux, mais franchement, ces jantes là, ça m'attire plus par rapport. Parce qu'en fait, c'est des bâtons. Ouais, des fins bâtons. Ouais, voilà. Kevin, esthétiquement, tu as expliqué ce que tu as fait sur ta voiture là. Maintenant, plus important, on va dire, les gens ils aiment bien ce qui se fait sur le moteur. Dis-moi, mon cher ami Kevin, qu'est-ce que tu as modifié sur cette magnifique moteur? Ben écoute, on a fait juste les downpipes, là, pour l'échappement. Tout le reste est d'origine. On a fait les charge pipes de chez MMR Performance. Uh-huh. On a mis le boost pipe qui est aussi de chez MMR Performance. Et juste deux filtres AKN dans les boîtes d'origine. Sinon, on a fait une reprogrammation moteur et la reprogrammation de boîte. Et là, on est en stage 2. Premier passage au banc sans les charge pipe, boost pipe, juste de down pipe, on est passé à 557. C'est déjà pas mal du tout. Avec 800 newtons. Et là, avec les charge pipe et les filtres, on est passé sur un banc 4 motrices, un nouveau banc d'une autre société. Et là, on a sorti 582 chevaux et 838 newtons. Ah ouais. Pour un stage 2, on va dire légèrement. C'est même pas stage 2. On va dire c'est un stage 1 parce que. Stage 1 plus parce que t'as dans le pipe, t'as pas de ligne complète. Non. C'est vraiment pas mal sortir déjà 550. Pour un 3 litres. Si tu le demandes à moi, à ma conseil, moi je le laisserai comme ça. Je ne mets pas ni stage 3, ni stage 8, ni stage. Oui, tu peux le mettre stage 3, mettre le turbo, mettre un autre intercooler et tout ça. Mais Kevin, avoir stage 3 c'est bien, mais il faut réaliser après. C'est... Avec la BMW, ici, en drift, t'as même pas obligé de toucher le volant. Avec le pied ici, tu vois, tu mets ton genou ici et tu sais partir en drift avec ça, fallait un peu rajouter à ça. Hassan, tu te souviens la vidéo avec la C63 de Miguel, les palettes en volant, pas facile à utiliser, surtout en mode drift, on va dire, pour chercher la deuxième rapport de vitesse.
parce que la sélecteur de vitesse, le C63, 90% Mercedes, ils sont là. Regardez ici, magnifique. Accélère, hop. Dab, comme une Kalachnikov, DKG, 7 rapports. Plus, moins, plus. Tu dois pas casser tes bras pour trouver le deuxième rapport. C'est bien fait quand même le sélecteur là. Beaucoup de gens ils disent M3 E92, c'était la voiture légendaire. Maintenant les BMW M3 ou M4 qu'ils ont sorti, ça n'a rien à voir, c'est plus la même voiture. Mais si vous êtes vrai passé en voiture, croyez-moi les amis, c'est pas vrai. Maintenant, on va comparer. M3 E92, 420 chevaux, 400 Nm. Tout en haut. Sur M3 E92, tu mets Michelin Pilot Sport 4S, cette voiture-là, à première vitesse, elle presque patine même pas. Deuxième, oublie, il n'y a plus rien. Vous allez me dire pourquoi. Parce que les amis, la voiture, il n'avait pas assez de couple. Et toutes les vidéos que vous le voyez sur Internet, comment M3, E92, comment elle part à drift à gauche, à droite, les amis, ces gens-là, ils mettent les pneus occasion qui étaient stockés pendant 5 ans, qui est devenu comme plastique, ou sur le pluie, ils font le drift. Sinon, les amis, croyez-moi, cette voiture-là, elle bouge même pas. M3 F80, peu importe que ce soit M3 ou M4, c'est la même chose. 431 chevaux. Vous allez me dire, oui, mais Chingiz, l'autre, il y a 420, E92 et F80, 430. Il n'y a pas beaucoup de différence. Oui, mais les amis, cette voiture-là, il a beaucoup plus de couple. Cette voiture-là, en stage 2, elle sort 550 minimum, maximum 600. Peut-être tu peux toucher plus, mais ça dépend. Moi, j'ai resté sur 600. 100 à 200, cette voiture avec 98, pas en full éthanol, rien du tout. 100 à 200, cette voiture-là, il fait 6 secondes 5, 7 secondes entre les deux là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cette voiture-là, ça veut dire au niveau de technologique, beaucoup plus avance par rapport à E92. Première chose. Deuxième chose, beaucoup plus économique au niveau de moteur. C'est un putain de moteur, un moteur qui va super bien. Je ne sais pas quel 6 cylindres qui peut aller plus fort que cette voiture-là. C'est un moteur incroyable avec sa boîte DKG, 7 rapports. C'est une très bonne boîte. Les amis, franchement, sur cette voiture-là, tu n'as rien à rapprocher. F80, c'est pas le même, c'est pas la même génération, c'est pas la voiture de légendaire. Oubliez cette mot-là, c'est pas vrai. Avec une Quattro, les amis, t'as aucun plaisir. Pourquoi je vais dire ça? Oui, on les run, tout ça, oui, c'est efficace. Mais dans la vie, il n'y a pas que de run. Les gens, ils me disent, ouais, mais Chingiz, avec mon Quattro, départ arrêté, je te tue. Et autoroute, tu fais départ arrêté, oui, tu vas me tuer. Parce que j'ai du mal à réaliser avec propulsion. Mais autoroute, je te nique ta race. Tu veux ou tu veux pas? Cette voiture ici, j'ai l'impression qu'elle parle avec moi. Comme tous les BMW, qu'ils ont plus de 500 chevaux. Et me dit, Chingiz, je le sais que tu es un gars qui a des couilles. Je le sais que tu sais battre. Je le sais que tu es un gars fort, que tu ne vas pas reculer. Mais moi, je te donne ma parole, je vais te faire une stress. Cette voiture-là, hein,
Quand je conduis avec cette voiture-là, mes mains transpirent. Parce qu'elle veut me tuer, cette voiture. J'accélère, hop, et pas à travers. Et gauche, je dois tout le temps me battre. Hop, regarde, on est à deuxième vitesse. Viens plancher. Ça n'a rien à voir, c'est un autre plaisir. Et j'aime bien cette adrénaline parce qu'il me fait stresser cette putain de saloperie de bagnole. Garde, 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 Hassan, garde. Hop. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hop. Empower for life, my friend. Tu vois, Hassan, c'est pas une voiture de fou qu'il faut le raconter. Ouais, il y a les feux arrière, LED, les phares avant comme ça. Elle est large, il y a les capteurs de recul, tout ça. Non, c'est une voiture, petite voiture, sportive, qui fait pleurer ta race. Bon, les amis, je pense qu'avec cette magnifique M3 de mon ami Kevin, je pense, moi, Hassan, on mérite une like, une petite commentaire. Mieux que ça, je ne saurais pas vous faire la vidéo. En plus, ça prend énormément de temps. Franchement, ça prend beaucoup de temps. Kevin, je pense que tu as compris. Mais pour faire quelque chose de beau, Kevin, il faut passer en 6. Kevin, première chose, un grand merci à toi pour avoir autant de patience, qui est resté avec nous pour filmer cette magnifique M3, pour me prêter, pour que je puisse faire comme moi je veux cette magnifique vidéo. Je voudrais bien encore ajouter une chose, les amis. Je pense pas que je saurai faire mieux que ça la vidéo, parce que là, j'ai fait tout ce que je pouvais le faire, vous montrer dans les cadres. Kevin, si les gens n'aiment pas cette vidéo, enfin, après cette vidéo, cette voiture-là, ils n'aimeront plus jamais alors. Ah non, c'est sûr, c'est que ce n'est pas des passionnés BMW alors. Kevin, un grand merci à toi encore. Merci à vous, les gars. Les amis, on se verra dans la prochaine vidéo. Ciao.